Familles ont le sourire aux lèvres et pour cause, elles partent toutes direction Gravelines, où le sable et les vagues les attendent. Alors que d'autres profitent encore des rayons du soleil, le Secours Populaire a décidé de tendre la main à ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. L'association organise chaque année les journées des oubliés des vacances. Les enfants auront ainsi des souvenirs à raconter à leurs copains de classe à la rentrée et les adultes pourront ainsi se reposer le temps d'une journée. Un bol d'air pour toutes ces personnes qui n'ont pas l'habitude de quitter leur quartier. Au programme, une journée bien remplie qui nous est détaillée au micro de Tanguy Lécluse. Il y a beaucoup d'activités, hein. Il y a le centre de là, il y a le centre Sportica avec sa piscine, son bowling. Il y a le centre nautique aussi de là, il y a les remparts, enfin il y a des promenades en barque, il y a des animations sur la plage. Enfin Gravelines fait tout pour qu'on passe une super journée. Problèmes familiaux ou financiers, ces familles n'ont pas eu la possibilité de partir en vacances. Avec le Secours Populaire, les vacances d'été ne sont pas terminées, même si elles ne durent qu'une journée, le dépaysement est réussi. J'ai pas l'occasion de partir en vacances et ça fait du bien un petit peu à mon fils. C'est trop cher, faut prendre le train ou la voiture et ça coûte trop cher pour les personnes qui sont comme nous au RSA, qui n'ont pas beaucoup les moyens quoi, actuellement. Ça se passe super bien, on arrive là-bas à la plage, on nous donne notre sac pour le repas à l'heure du midi, tout avec les enfants, puis après on a notre journée, puis après on se rejoint au bus pour repartir sur l'île. Quoi. Je vais faire du bowling, de la piscine, tout ce que j'aime en fait. Triste constat, chaque année de plus en plus de personnes âgées se présentent pour partir à la mer. Cet été, dans la région, une personne sur deux n'a pas eu la chance de se reposer. Ce mercredi, son bus affrété par le Secours Populaire, on rejoint Gravelines et le Touquet.